Eh bien, salut tout le monde, c'est Tudonani, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci on se retrouve sur Counter-Strike Global Offensive, un très bon jeu. Donc durant cette vidéo, je vais un petit peu vous parler de Counter-Strike Global Offensive et de Counter-Strike Source, de ma nouvelle team que j'ai créée, et de mes futures vidéos. Donc voilà. Alors, Counter-Strike Global Offensive est un jeu disponible sur PC, Xbox 360 et PS3, pour la modique somme de 14€, ça en prend pas cher. Donc voilà. Ensuite, ma team, ça s'appelle la DK, la D-Track. Donc voilà, j'ai créé une chaîne de team, il sera dans la description le lien pour que vous abonniez en attendant les futures vidéos. Donc qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne de la team? Donc, vous me verrez un peu plus fun, un peu plus en train de rigoler, etc. Avec les membres de ma team qui sont D-Track Dailin, le co-leader de la team, et moi, le chef. Donc il y a D-Track Dailin, D-Track Nico, et enfin D-Track Mixu, petite dédicace à toi. Donc on a tous acheté Counter-Strike Source et Counter-Strike Global Offensive. Donc voilà, on fera des vidéos dessus sur à peu près tous les modes. Donc voilà. Alors les accomplissements, je vais vous montrer un petit peu mes stats, hein, ça rend pas des stats de PGM non plus, mais voilà. Donc faites arrêt sur image pour voir un petit peu mes stats. Donc voilà, il y a un grade, il y a un rang. Donc je suis Elo, je sais pas comment on prononce. Donc il a des succès. Alors les succès, ça sert à quoi? Ça sert un peu à rien, mais on peut comparer nos succès avec nos amis pour voir c'est qui a fait le plus de succès, c'est qui a fait le plus de têtes, c'est qui a fait 500 kills. Donc voilà. Ensuite, on peut voir deux navigateurs de serveur, en gros une recherche de partie basique comme sur Call of Duty par exemple, et un navigateur de serveur comme Counter-Strike Source qui permet de naviguer sur des serveurs que des gens ont créé. Ensuite, il y a les bots. Alors les bots, on peut s'entraîner un petit peu dessus, on peut modifier la difficulté, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, on peut mettre expert, difficile. Donc, moi je m'entraîne un petit peu souvent avec des bots, hein, donc voilà. Et on peut mettre entraînement aux armes, c'est pour les débutants, pour qu'ils apprennent à tirer, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fini la présentation de l'interface du jeu, je vais vous montrer différents modes. Donc il y a le mode course à l'armement que je vous ferai dans cette vidéo. Donc course à l'armement, ça reprend le mode gun game qui permet à chaque kill qu'on fera changer d'arme. Le mode démolition que je ne connais pas, que je vous ferai peut-être en vidéo si cette vidéo vous plaît. Le mode occasionnel classique, c'est un peu de la recherche et destruction, ça se joue en dimanche. Donc voilà, il y a une équipe anti-terroriste et terroriste. Les terroristes, pour ceux qui ne connaîtraient pas Counter-Strike, ils doivent poser la bombe et les anti-terroristes désamorcer, tout simplement. Et un compétitif classique à 30 manches, c'est pareil, sauf que dans ça, c'est plus pour les compétiteurs et pour les teams. Donc voilà, et je pense qu'avec la team, on fera ça. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la partie gameplay pour la course à l'armement. Allez, à tout de suite. Et bien, retour monde. Alors on se retrouve pour la deuxième partie, la partie gameplay. Et cette fois-ci, on se retrouve sur la map bagage. Il y a deux maps dans ce mode de jeu, la map bagage et la map shoots. Et on est dans le mode course à l'armement. Donc voilà, alors comme on est le matin, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je fais une partie contre des bots. Donc voilà, alors là, ça me laissera beaucoup de temps pour vous présenter un petit peu plus l'interface et peut-être toutes les armes du jeu si j'arrive à faire les 26 armes. Donc voilà, alors on peut régler les bots, on peut mettre difficile, expert, facile. Donc moi j'ai mis difficile, donc voilà. Alors dans cette vidéo, je parlais de plusieurs petites choses, des vidéos, etc. et de la rentrée. Donc la rentrée c'est bientôt, moi je vous dis bonne rentrée à tous, hein. Moi je reprends le 5 perso et moi je reprends un 10h. Je verrai mon emploi du temps et je vous dirai quand je fais des vidéos, etc. Donc là ça commence bon, j'arrive derrière les ennemis, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ouais, ils sont morts. Donc en haut à droite vous voyez la barre des feeds, en gros qui j'ai tué, qui m'a tué, etc. C'est assez simple à comprendre ça. Donc voilà, en bas à droite vous voyez mon arme que j'ai là dans mes mains et vous voyez l'arme que j'aurai juste après. Donc là par exemple j'ai le bébé bison et quand je ferai un kill je vais avoir l'UMP45. Donc voilà, alors on va essayer de faire une assez bonne partie. Donc voilà, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Counter-Strike, j'ai un petit peu vous présenter le jeu. Alors Counter-Strike c'est un jeu développé par Valve, donc voilà. Et je voulais vous dire que Counter-Strike on peut ni viser ni courir. Vous allez me dire ouais mais c'est comment, c'est chaud alors, comment tu fais? Donc pour ceux qui, pour les débutants ça va être vraiment chaud pour vous.
mais à force on s'habitue vite. Alors pour courir, on essaie de prendre son couteau pour aller beaucoup plus vite, et après on change d'arme comme ça. C'était beau ce que j'ai fait en plus. Et pour viser, on essaie de se mettre accroupi et de tirer. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour avoir une meilleure précision, et essayer de mettre des headshots. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En bas à gauche, vous voyez ma vie et la deuxième barre, je ne sais pas ce que c'est. Pour ceux qui connaîtraient ce que c'est, bah, dites-le moi en commentaire, ça serait plus utile de savoir. Donc voilà. En haut, vous voyez un petit peu des images des gens et tout, comme c'est des bots, mais ils ont des images préfaites, voilà, préfaites tout simplement. Donc voilà. Donc, déjà au niveau 10, hein, donc c'est vraiment très bien fait, il y a bien écrit et tout. Je trouve que les armes sont vraiment très très bien faites, hein, très bien modélisées. Elles sont vraiment très bien refaites, hein, par rapport à Counter-Strike Source. Hein. Peut-être que je vous ferai un comparatif des deux jeux pour vous montrer un petit peu comment c'est, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous plaît, et ben je pourrais vous faire d'autres vidéos sur les autres modes. Puisque là, ça, c'est que un mode parmi tant d'autres. Donc voilà. Donc voilà. Alors la K47, une très bonne arme. L'arme la plus jouée sur Counter-Strike Source avec la M4A1. Donc en parlant des armes les plus jouées, sur ce Counter-Strike, je trouve que les gens jouent un peu plus avec les autres armes. C'est vraiment plus sympathique parce que sur Counter-Strike Source, c'est que M4A1, AK-47, M4A1. Donc c'est assez chiant. Alors des armes avec des viseurs. Donc c'est vraiment pas des viseurs de ouf, hein. C'est pas du Call of Duty, ça c'est sûr. Mais bon, les viseurs sont assez sympathiques quand même. Comme il n'y a pas beaucoup d'armes avec des viseurs, profitez-en, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors, les armes ne sont pas mises là au hasard. Hein. Elles sont pas données au hasard. Elles sont données dans un ordre bien précis. Qui sont au début les petites mitraillettes. Ensuite, c'est quoi? Ensuite les fusils à pompe. Après c'est les grosses mitraillettes. Et après c'est les snipers. Oh, j'ai mis un de scope, je suis content. Donc, avec les grosses mitraillettes, j'ai beaucoup plus de mal. Hein. Parce que les balles appartent un peu n'importe où. Donc bah, je suis bien parti, je fais du 18-13, c'est pas mal. Donc, ah purée, alors pour les vidéos, je voulais dire que pour les vidéos, ça va vraiment changer. Je vous ferai peut-être une à deux vidéos par semaine. Je vous donnerai des horaires et tout quand je remonterai du temps. Par exemple, comme bah, le mercredi et le week-end, bah, on n'est pas trop rempli. Donc je pourrais vous faire des vidéos, par exemple, une vidéo. Ah bien joué. Une vidéo le mercredi et une vidéo le week-end, pourquoi pas. Comme ça, ça vous ferait un petit emploi du temps assez sympathique. Donc voilà. Alors je cherche encore un GFX pour me faire une introduction et un nouveau background. Parce que j'ai envie de changer de style. Hein. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Oh, je l'ai cuté. Donc, le cut, qu'est-ce que ça fait? Alors le cut, ça permet bah, de rétrograder quelqu'un. En gros, perd l'arme qu'il avait. Et il revient à l'arme précédente. Donc ça c'est chiant pour lui, mais bien c'est pour nous parce que nous on passe à l'arme suivante, tout simplement. C'est pas mieux, c'est pas compliqué que ça, c'est beaucoup mieux, hein. Parce que dans l'autre CSS, je crois que si on cut, bah, c'est pour le fun. On cut pour le rétrograder, mais nous on gagne pas d'armes. Donc c'était assez dommage, on coûtait pour rien un peu. À part quand on était 1v5 contre le mec qui était à la dernière arme comme nous. Tout simplement. Donc je vais essayer de tirer en rafale. Donc faut toujours essayer de mettre des headshots comme je dis. Donc c'est un mauvais exemple parce que moi j'arrive pas à en mettre, mais quand vous arrivez, ça tue très vite. Hein. Donc le Desert Eagle, un très beau gun, je l'adore. Il est vraiment très bien fait, hein, je le trouve. Hein. Sur CSS il était bien fait, mais là il est encore beaucoup mieux fait et c'est vraiment très appréciable d'y jouer. Ah, les deux guns, ça je les aime bien. Donc je suis du 25-19, encore un kill et j'arrive bah, au couteau. Et au couteau ça va être un peu plus dur pour moi. Donc voilà. Allez, mange. Oui, voilà, j'ai gagné. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à la partager, à me dire ce que vous en pensez, et si vous voulez plus de vidéos sur Counter-Strike Global Offensive. Allez, à plus tout le monde.